peu d'informations, on imagine que c'était une cuisine. La cuisine était toujours séparée d'habitation principale à cause des risques d'incendie. Incendie qui s'est produit donc en 1934 pour l'habitation principale. Là, l'idée était de rénover donc cette ancienne dépendance qui était en très mauvais état et d'en faire deux chambres avec deux salles de bain. Donc des pièces qui étaient des pièces de rangement sont devenues des salles de bain. On a conservé les matériaux d'origine, on a rénové les sols en béton, qui étaient en béton de chaux, ne cherchant pas à refaire du neuf. On a rénové aussi la calade en pierre, une très belle calade en pierre. Ce sont des compagnons tailleurs de pierre qui œuvraient. Et on a rénové le sol en carreaux de ciment qui doit dater des années 30-40, enfin 35-40. Il y a cette rugosité de la pierre, les joints à la chaux, ça donne envie de toucher. On a à la fois des textures granuleuses, des sols qui sont très lisses, du mobilier qui est très lisse et très fini, dans un environnement qui est assez brut. Je pense que ça nous parle tous, en fait, ce qui est texture, matière, des matières chaudes, des matières froides. Je pense que ça éveille un peu nos sens et on a envie de toucher les murs. Quand on rentre, on a envie de toucher les murs. C'est plus une technique adaptée à notre époque, surtout avec la connaissance du risque sismique, mais ça demeure esthétiquement une très grande plus-value pour une construction.